J'ai des gros bras. Présente-toi donc. Man, je suis Elliot de Beneath the Massacre. Came over here today to do backup vocals on the Spice Tiger new album, which is called. Je sais pas encore. You don't have a name, that's why I asked. I didn't really feel like doing any backups, especially not the featuring, but, you know, friends, you know, you do whatever you have to do for them. But I'm stoked. I managed to talk about fast food on the Despised Icon new album, which is called... Je sais pas. They don't know the name of the album. That's what's up. Yep. It was pretty easy. First time recording with my hands on the mic. It was awesome. By the way. Ah, no. Right, good album, I hear. Good album. It's BTM approved. Attends, Gab. Non, c'est parce que les taïgas, elles sont vraiment comme chiantes parce que... Tu veux-tu expliquer ce que tu viens de faire, Gab? Just open a fucking beer with a mic. That's all we fucking care about our material. VP64, il n'y a rien de mieux que ça, puis pour les bières, là, c'est... What's up, guys? My name is Gabriel McCary. I'm the lead singer for Vatican and used to be an Eye on Dissonance. That's why I guess I'm here today doing backup for the Spiced Icon newest album. As far as Vatican is concerned, we just released a mini CD via Galley Records. Check it out. It's going to be sold on the net for a very low price. You can also check out my other project called Blythe. It's a very old school trash black metal band if you guys are interested. And yeah, it's been fun. Teaming up with those guys again to do some backup vocal and a few featurings. So check it out. All right, thank you. Tiger! Est-ce que tu te prépares, là? Chef Pinchot de The Last Felony. Moi, c'est Jazz de The Last Felony, man. Yeah. T'es venu faire des back vocals pour le nouveau Despised Icon. Woo! Fuck yeah! Fuck yeah, man! T'es venu changer notre weed pour des pips. T'es man. Yeah, fait que The Last Felony va sortir deux nouvelles tunes bientôt. On tape site avec Chris Donaldson où on vient de taper les back vocals de Despised Icon. Et ça va sortir bientôt, deuxième album avant la fin de l'année, puis sûrement une tournée aux States. Puis faites ça d'aller acheter Vatican EP en vente 666 sur EB Merch. Achetez ça, Black and Roll, motherfucker. Black and Roll. Yeah! Said only get what you deserve. Parasite, rinse in your kind. Get back in the gun or run. Je filme. Bref! Salut, moi c'est Benoît Landreville, je suis nouveau guitariste de Despised. Moi pis les gars, on a commencé à travailler ensemble au Never Say Die Tour. Après ça, j'ai fait la tournée américaine avec eux autres, fin de laquelle j'ai été confirmé comme membre officiel. J'étais arrivé, je te dirais, aux trois quarts du processus d'écriture du nouvel album. J'ai quand même... rentrer une de mes tunes dans tout ça qui s'appelle All for Nothing, checker ça. Là, je suis ici aujourd'hui, j'ai fait des petits gangs vocales avec les boys, j'ai même fait un petit featuring, je suis bien content de ce que ça donne, ça devrait bûcher en masse, puis... Hey, what's up? This is Kevin from Ion Dissonance, and I'm here today to talk to you about Zero Wool Light for Dark Colors Laundry Detergent to get all your dark colors cleaned and looking fresh and brand new, like our buddy Alex here. As you know, as I said, it's Kevin from Ion. We're here on the 12th of April today to do back vocals and gang vocals, or whatever you want to call them, vocals, on the new Despised Icon record. So thanks to the guys in Despised Icon for having us. Thank you very much.
I met Alex about 5 years ago and the rest of the band about 5 years ago while backpacking through Europe. Actually, Alex looked more of an Arab back then, so I was a little bit terrified when I first met him. I thought he had some explosive strapped to his chest. Nonetheless, here we are today, 5 years after. He's still looking like a terrorist, but, you know, I love him and I love the other guys too. So, yeah, thanks for having us. And I guess, yeah, penis, testicles, vagina, balls, sperm. You lost your grasp once and for all. Karma will get you back. Crypt up, see? Homo. C'est ça. Non, c'est pas super, j'ai un terreau quand même. Chris Cryptopsy, j'ai travaillé sur le moment d'espèce avec les gangs vocals, avec toute la gang de fanfarons qui sont venus écrire des petits bouts. C'est bien plaisant. On a eu plein de belles surprises. Cookie Monster qui est venu nous parler de Poutine et tout. À part ça, on a tapé ça à mon studio, Studio Garage. C'est vraiment cool parce qu'ici, ça a l'air qu'on a des trail mix puis du jus d'orange à volonté. Grâce à ça, on travaille beaucoup mieux. Fait que, à part ça, j'ai bien hâte d'entendre l'album, ça a l'air pas mal intéressant. Je vais te dire une dernière chose. Crèvez toutes à cette gang d'humains. Ça, c'est moi, Gab 357, allez tout chier. Black Megab. Spies Icon 2009, du death metal 3D, t'entends? Gangster et Gentleman, nouvel album dans les bacs, t'entends? 2009.